vous rappelle qu'il y a aussi une dégustation gratuite, hein, si vous n'avez pas mangé, parce que les applaudissements, ils sont très faibles. Voilà, hein. Très faibles. Encore les applaudissements, s'il vous plaît. Beaucoup plus fort. Alors, Anna, pâtisserie allemande. J'ai goûté tout à l'heure, hein, et ça a été super bon. Ça a été même mieux qu'en Allemagne. Ok. Alors, je suis d'abord très heureuse d'être là aussi. Et voilà, donc c'est Mama Moana, c'est un réseau que j'ai créé en fait en parallèle de l'album. D'abord, l'album est venu. Ça s'appelle Danaya, c'est confiance. C'est parce que j'ai confiance aux femmes en fait, aux femmes africaines, aux femmes de la diaspora, aux femmes dans le monde. Et dans le projet, il y a plus d'une trentaine de marraines qui sont en Afrique, qui sont en Europe, dans plein de pays, même jusqu'aux États-Unis. Par exemple, on a Aïcha Dem aussi, on a Gassanji, enfin, il y a plein d'artistes qui se sont réunis pour aider justement toutes nos sœurs et pour être la voix des sans voix en fait. Donc, il y a Fatim Sy qui est là ce soir aussi, il y a Sandy, il y a Mami Kanouti. Salam, salam guys, Musiken, mois février 2017, nouvelle année, on commence avec du lourd. Thaïs Diarra à l'honneur ce soir. Donc Thaïs Diarra qui a présenté son réseau de femmes qui s'appelle Mama Moana. Plusieurs femmes qui travaillent dans plusieurs domaines. Donc voilà, donc elle a présenté en début tout ce que toutes ces femmes font et la place au show. Et si vous avez manqué ça les gars, aïe, je vous dis pas, parce que là c'est en train de chauffer à l'intérieur. On va aller voir l'ambiance commencer à l'intérieur et là on vous revient tout de suite. On a l'honneur Fatim Sy. Fatim Sy, rappeuse qui fait partie aussi du collectif Mama Moana. Bonsoir Fatim. Bonsoir, F-A-T-I-M, Fofo, First Lady. Donc Fatim qui fait partie du réseau des femmes Mama Moana. Fatim, si tu vois Thaïs en concert et toi qui fais partie du réseau, donc ça te fait quoi? Je trouve ça cool. Là, on est venu représenter le Music and More. On me dit que c'est la deuxième édition. Et la particularité, c'est qu'il n'y a que des filles. On va parler de genre, mais c'est comme je viens de dire, il y a les Numukunda et les Fred en tant qu'hommes qui vont représenter. Mais la particularité, c'est qu'il n'y a que des filles. Il y a moi, il y a Sandy qui va exposer ses photos. Il y a Mami Kanouté, il y a Thaïs qui est en train de jouer et qui fait des trucs extraordinaires. Donc je ne peux que m'en réjouir. Je trouve ça très cool. Merci Fatih. Merci. Franchement, t'es venu ce soir, c'était extraordinaire parce que t'as une musique, que leur musique est pareille, t'as des différences, non? T'as pas de gêne réelle, t'as donné une balade tenir, non? D'ailleurs, comme surtout, voilà. Toi, tu m'as dit quoi, balade? Mais c'est que c'est une manière de parler, parce que là, nous aussi, nous changeons tout le monde pour toute ère. Am gagné depuis t'as mis une musique aussi différente avec musique sénégalaise, tout est. Franchement, tenir, non? Franchement, t'es, nous me disais fille, t'as mis franchement, bagana quoi, t'as fait non? Moi j'ai l'habitude de la suivre quand même. Depuis PBS et tout, elle m'a toujours marqué, elle a toujours été une battante. Et aujourd'hui aussi, elle a confirmé davantage ce pourquoi moi je continue à la suivre. Vraiment, c'est une fierté en tant que femme. Musique and More, c'est une bonne initiative, vraiment. En tant que manager ou chargé de projet, moi vraiment,
c'est quelque chose que j'encourage vraiment. Parce que nous, surtout dans la culture urbaine, on a besoin de ça. On a besoin de ces tremplins qui nous permettent de rencontrer d'autres personnes, qui nous permettent vraiment d'exposer et de divulguer le travail que les artistes sont en train de faire derrière. Musique Mort, soirée spéciale avec Thaïs. Thaïs, ça a été ta première fois au Goethe Institut. On voit que ça a été une soirée assez chaude. Est-ce que je peux avoir tes impressions par rapport à tout ce que tu as eu à vivre pendant tout le concert? Alors, déjà, je suis très contente de découvrir ce bel endroit ici que je connaissais pas avant. Et oui, j'ai reçu une bonne énergie en retour. Donc, en plus, c'était un magnifique public, plein de couleurs, ce que j'adore parce que les métisses, elles aiment quand il y a des mélanges. Donc ici, c'était vraiment des gens de tous les horizons. Et moi, j'ai adoré l'énergie qu'il y a eu pendant le concert. J'ai senti que les gens aussi écoutaient les textes. Ils dansaient pas juste, c'est ce que je disais avant. J'avais l'impression qu'ils écoutaient vraiment un peu le message. Donc c'est vraiment le but aussi. Je fais pas de la musique que pour danser, mais j'aime bien aussi que les gens écoutent et peut-être comprennent le fond du message. Donc pour moi, c'était positif, franchement à 100% positif et je reviens quand tu veux. J'adore ce genre d'ambiance et voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime, donc que du plaisir, franchement. Et super, et quel est ton dernier mot pour le Music and More? Music and More, chikao chikanam lek, parce que non, franchement, c'est un super projet et je pense qu'on a besoin justement de ce genre de soutien, de support, d'aide musicale et culturelle. Donc, il faut vraiment continuer comme ça et moi, je vais faire de la pub partout parce que voilà, j'ai envie de moi aussi de venir en tant que spectatrice, voilà, sentir toutes ces vibes de l'autre côté, quoi, en fait. Donc, positif à 100%. Yes. Musicalement, c'est fini pour ce soir. On avait comme invité Thaïs Diarra, donc qui nous a présenté son nouvel album Diana, qui s'appelle Confiance. On a eu une superbe ambiance avec un public assez métissé. On a aussi eu donc la présentation de Mélo Pâtisserie, donc qui a fait une dégustation gratuite dans le Musicalement. C'est ça aussi. CNDS avec Fatoumata Diabaté aussi ont présenté donc leurs photos dans le Music and More. Music and More, ce n'est pas que de la musique, c'est aussi des photos et aussi il y a eu de la gastronomie pour une première fois dans le Music and More. Rendez-vous au mois prochain et ce sera du rap avec Nyx. Bye bye, bye bye bye. I'm